Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un tableau contemporain avec des coquelicots. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner. Vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en format 30 par 30. C'est du coton, tout simplement. Mais j'aurais très bien pu utiliser du lin si je l'avais souhaité. Je l'ai enduite d'une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche. J'ai séché au sèche-cheveux. Et je peux commencer. J'aurai besoin de blanc de titane, de noir, ivoire ou noir bougie, d'orange et d'écarlate ou rouge foncé. Je prends du blanc pur et je viens peindre un tiers de ma toile. Je fais une couche moyenne, ni trop épaisse ni trop fine. Je viens maintenant fabriquer du gris avec un tout petit peu de noir que j'incorpore dans mon blanc. Et je viens peindre un second tiers de ma toile. Je réalise un gris beaucoup plus foncé. Et je le place sur le dernier tiers de ma toile. J'essuie bien mon couteau. Et je vais, comme j'aime tant le faire, déstructurer mes bandes pour faire un fond un peu abstrait, très graphique. Mon couteau n'est pas complètement à plat, il est légèrement décollé et mon poignet est mobile. Je reprends un petit peu de blanc et je crée un petit peu de, comme un V. V, c'est la profondeur. Donc je viens faire un semblant de V sur le centre de ma toile. Je prends du noir et je viens réaliser deux blocs. Très légèrement en V aussi. Pour donner un aspect encore plus contemporain, je viens griffer ici. Je viens griffer ici avec un mouvement en arc de cercle. Donc j'utilise les peignes que j'ai dessinées. Si vous voulez l'acquérir, il vous suffit d'aller sur le site mpi3d.fr. Donc c'est ma petite imprimerie 3d.fr.
Donc sur ce site, vous allez dans l'onglet, dans la rubrique Nelly Lestrade, et vous aurez tous les peignes que j'ai dessinés et les peignes que j'utilise très régulièrement dans mes tableaux. Donc ici, en enlevant la peinture, en grattant la peinture, j'ai un petit dépôt que je peux venir réutiliser pour un côté moderne. Hop, tout doucement, j'essuie. Et là, je reviens et je travaille un petit peu plus droit. Là, je n'utilise pas, j'essuie. Je prends du noir sur le côté droit et je viens créer quelques tiges. Je mélange du rouge foncé ou écarlate avec de l'orange, pas trop. Et je viens, pour le moment, faire comme j'ai fait pour faire mes tiges. Mais là, je viens un tout petit peu ouvrir pour donner une impression de pétales qui s'envoleraient ou de tiges pour apporter de la chaleur à mon fond. Je viens maintenant poser mes fleurs et je les fais comme j'ai souvent l'habitude de les faire. Donc je prends de la peinture assez généreusement sur la partie haute de mon couteau et je viens faire, donc je cherche où la placer, j'essuie légèrement en décalé, je viens faire deux. J'y suis. Et 3. Le plus important, qui remonte. Alors j'hésite. 1. En fait, je vous laisse l'angle noir pour donner de la profondeur. 2. Et 3. Je vais en faire un petit ici. Je prends mon petit couteau. Et 3. Je prends du noir. Sur
sur la pointe de mon couteau et je la place chaque fois au cœur de la fleur, au milieu, au-dessus du pétale numéro 3. Avec mon couteau propre, je viens étirer quelques petites étamines. Et je viens prendre avec mon couteau très propre un petit peu de blanc pour faire un petit arc qui va donner du galbe et de la lumière à mon cœur. Je viens équilibrer en rajoutant quelques tiges. Feuilles. Et quand ça me plaît, j'arrête. Je mélange un petit peu de blanc avec du white spirit et doucement, je vais projeter quelques petites gouttelettes qui vont m'aérer mes fleurs sans surcharger le tableau. Voilà, ce tableau graphique et floral est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner. Vous recevrez des notifications à chaque nouvelle sortie de vidéo. En général, le lundi à 17h pour un sujet plus classique, quoique aujourd'hui c'était un peu moderne, et le jeudi à 17h pour un sujet plus abstrait. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très vite. Au revoir.